bien. Du coup, là, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis revenue de Miami. J'ai trop le seum. Bonjour. Bon, je suis arrivée chez Centre Weta. Et du coup, je vais faire mes séances de laser. Voilà. Je suis arrivée un peu en retard. Merci. Merci. Du coup, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de tout faire. Vu que je suis arrivée en retard. Je vais faire bras, maillot, ventre. J'ai pas le temps pour les jambes et les aisselles. C'est de ma faute, je suis en retard. Les filles, concernant le laser, je vous explique bien parce qu'on pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc le laser, la machine que le centre Weta utilise, donc c'est une machine qui permet de s'exposer au soleil 48 heures avant, 48 heures après. Ça convient à tout type de peau, vraiment ça fait pas mal. C'est des petits picotements en fait, et quand ça chauffe trop, bah, je me dis on fait une petite pause ou voilà. Mais là aujourd'hui ça n'a pas du tout chauffé, ça n'a pas piqué. Franchement, ça marche. Le laser, ça marche, ça fonctionne. Si vous avez des doutes, n'ayez plus de doutes parce que ça fonctionne. Moi, maintenant, j'ai plus de poils au niveau des aisselles. Enfin, quelques-uns par-ci, par-là, mais presque plus rien en fait. Donc, je vois une différence. Pareil pour les jambes, pareil pour le maillot. Enfin, j'ai vu une différence de ouf. Et franchement, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je parle d'exposer. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je vais faire un exposé. Tac, tac, tac. Tout type de peau, 48 heures avant, 48 heures après. Ça fait pas mal. Le centre, il est situé à Paris, à Opéra. Il est super beau. Super beau et tout. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Si j'ai oublié des choses, je vous les écrirai. Mais je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour le laser. Et merci, le laser, parce que ça a changé ma vie. Les gens qui ont beaucoup de poils comme moi, qui sont poilus, et bah ça a changé notre life en fait. Parce que je vous promets que le laser, ça a changé ma vie. Je vous promets, le laser, ça a changé ma vie. Genre maintenant, je me pose plus la question de comment dans mes piliers, etc. Genre, j'ai pas de poils. J'ai pas de poils, je veux des robes, des jupes, je me pose pas de questions. J'enfile et tac, et c'est super bien. Donc voilà. Voili, voilou. Voilà, le centre, il est super beau, les filles. Hein. Franchement, c'est magnifique. Vous êtes dans des bonnes conditions. Et voilà. Tout se passe là. Donc ça, c'est les lunettes pour le laser. Ça, c'est le gel qu'on utilise, et ensuite c'est gel et la machine, et voilà, voili voilou. Et là c'est moi, j'ai une petite tenue de chez Lounge, j'aime beaucoup. Franchement, je pourrais m'habiller tous les jours avec des ensembles, j'aime trop. Genre quand tu sais pas comment t'habiller, c'est super bien. Donc voilà, finish. Regardez comme le centre, il est beau, les filles. Franchement, c'est incroyable. Super beau, j'aime trop. Là, je vais rentrer chez moi, me préparer, puisque ce soir, je vais aller manger avec une copine. Au merci, au revoir. Au revoir. Je vais aller manger avec une copine ce soir. Et je vais faire des photos aussi pour une marque. Je vais faire du contenu. Donc, voilà. C'est une belle journée aujourd'hui. Hey guys! Hi bitches! J'ai retrouvé Kasha! Hello! Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue, bah, depuis Miami en fait. Elle m'a laissé, elle est partie à Miami sans non, moi. Non mais tu viens avec moi après. Bah oui, bien sûr, bienvenue. Allons play! Bien sûr en fait! Du coup, là on devait manger au Paradis du Fruit, notre cantine. Mais c'est fermé. Et là on va aller au Brebant. Non, non, au Mabillon. Mais c'est la même chose quoi. Mais en fait, moi j'ai un truc à dire aux mecs. Pourquoi vous avez pas honte? De venir genre, me parler comme ça, genre... C'est une dinguerie. Il y a au moins 20 mecs qui sont venus parler, en fait. Il y a quoi?
Genre, laissez-nous tranquille. Laissez-nous marcher, en fait. Déjà, on a faim, on est aigri. Je te jure. Vous commencez pas, en fait. Oh, attends, j'essaie d'ouvrir. I'll be your groupie, baby. Wouh, comment je suis trop belle. Waouh, quel make-up incroyable. Incroyable mon make-up. Hey babe. Hey babe. We're eating some risotto with shrimp. Comment on dit en anglais? Shrimp. Donc voilà, on a pris du risotto avec des crevettes. Et voilà. On va se régaler. Tranquillement. Et on va parler gossip. Des choses qui se passent, voilà quoi. Let's go eat. J'ai mis ma veste parce qu'il fait super froid. Pourquoi t'as pas pris de boisson? Moi je suis une fille de l'eau, wesh. Tu sais pas? Moi c'est l'eau. Moi aussi, mais tu sais, quand je mange des trucs salés, j'ai trop besoin en fait de boire un peu sucré. J'aime trop mon petit outfit. Je suis bien maquillée en plus. Eh, franchement, on a eu raison d'aller au paradis du fruit. Hein. En fait, à la base, on est parti au paradis du fruit. Et bref. Ouais, bref. Et du coup, on s'est retrouvés ici parce que la cuisine était fermée. En fait, déjà à la base, on devait aller manger au coco, mais vite en retard. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve ici. Let's go eat! Elle est trop belle. Attends, je vais vous montrer. Elle vient de chez Pretty Little Thing. Avec les bottes. Et j'ai le petit sac qui va avec les bottes. Cozy retrieve. Attends, viens. And I'm the reason. The bad bitch. Et ça, c'est vrai. You can call me Beyonce because... Wow. Bon, là, du coup, je vais au restaurant. Ma wig, je vais l'appeler Beyoncé. Parce que vraiment, c'est grave le genre de perruque que Beyoncé elle porte. I'm feeling myself right now. Je me trouve grave belle. C'est important des fois de te trouver belle et se dire qu'on est belle. C'est important. No matter how Hey guys, du coup aujourd'hui j'ai rendez-vous, enfin j'ai pas rendez-vous mais je suis invitée à un événement. L'événement c'est Too Faced et je suis grave en retard. Enfin je suis pas en retard, en vrai on peut arriver quand on veut mais bon j'arrive tard. J'ai fait un make-up grave simple, j'ai fait anti-cerne, blush, bronzer, mascara, gloss. J'ai pas mis de fond de teint, crème teintée et tout. J'avais trop la flemme. Et je fais une petite coiffure sympa, je fais un petit pompon avec une petite mèche devant, j'aime bien. Et quand je sors, je vais vous montrer mon outfit. Et mon crayon. Franchement, là, on sent bien que là, on est en automne. On sent bien que l'été, c'est terminé. Il fait froid, carrément, j'ai mis en haut à manche longue. Il pleut et tout. Franchement, summer, it's over. C'est fini. Donc, voilà. C'est là. Numéro 53. Ah oui, c'est là. I just wanna know if you my friend. I just wanna know if you pretending. I know I've been away. I'm just trying to get my purpose straight. Là du coup, je suis arrivée chez Newell. Et du coup, je vais couper mes pointes. À la base, je viens de faire un carré. Bye bye, à la prochaine. Merci. Je viens de faire un carré, mais j'ai peur. Ça y est, je me suis décidée de toute façon si j'aime pas, j'ai des wigs, si j'aime pas, je mets des extensions, si j'aime pas, je fais un ponytail. Mais vous savez que c'était même pas prévu.
Genre, je suis vraiment venue là à l'improviste. La coiffeuse de fille, elle me regarde de mode, t'es une tapette. Mais je vous jure, j'ai trop peur. Comment? Ouais, c'est un blog en fait. Ah, trop bien. Ouais. Après, tu postes? Ouais, après, j'ai posté. C'est ouais. Pratique, hein? YouTube. Hey guys. Je vais à un event. L'event, c'est la marque Ego. Et du coup, je vous ai pas montré mes cheveux depuis que j'ai coupé. Mais ça donne ça. Un petit carré mignon, je me suis habillée très simplement. Voilà, j'avais pas trop d'inspi. Et voilà. I'm on my way. J'étais chez ma copine. Donc, j'aime beaucoup le petit carré en fait. C'est propre. C'est très 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 propre. J'aime beaucoup. J'aime trop faire ça. Yes. I really love this dress. Yeah. And this one, me too. This one. This yeah, one's yeah. It's really nice. You got some cool boots. Mm-hmm. This one is like the red. No. Yeah. Hey, Shag. Hey. Hello. So that's my friend Chachou right here. Okay. Hey. Je viens d'arriver au showroom. C'est vraiment super beau. J'ai des bonnes petites pièces. C'est très sympathique. C'est sympatoche. Je vais sur le genre pour les commentaires, c'est vraiment. Sympathique de ouf. Moi qui est venue habillée grave simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Très beau. Voilà. Vu que je suis venue habillée simplement, là on va changer. Là on va changer, et on va là, faire des choses. Voilà, on va en prendre des choses. On va prendre des choses. Mon stockage. Ah c'est ça, c'est le petit lumière. Oh putain, mais en fait. Voilà, t'as ok. This dress is amazing. Elle est trop belle la robe. Genre vraiment. I really like this dress. J'aime trop la robe. Le stockage, non. Elle est incroyable. Je la prends. Je veux même pas de débat. Même pas de débat. Je la prends. J'ai flashé sur la robe. Elle est trop trop belle. I really love the outfit. Je trouve que ça va bien ensemble. J'aime trop la tenue là. Ça change. J'aime trop. You like it? Thank you. Oh là là, ça va bien. Merci, c'est gentil. T'as vu, ça fait un beau combo là. Ça va bien. C'est comme ça. Je sais même pas si je vous ai raconté, mais j'ai coupé mes cheveux en carré sur un coup de tête. Vraiment, c'était un coup de tête. Au final, j'aime trop. Genre, à la base, je devais juste acheter des sous-vêtements à. À la base, je devais. Oui, je blogue. À la base, je devais juste acheter des sous-vêtements à Undies, enfin chez Undies. Et je suis passée devant Newell, à un salon. Et un salon de coiffure afro. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas couper mes pointes, vu qu'elles sont abîmées. Et j'avais cette idée de carré depuis un petit moment. Et la coiffeuse, elle m'a dit, mais ça tirait bien carré. Et je lui ai dit, mais justement, je pensais à ça. Et elle m'a dit, let's go. J'avais un peu peur sur le moment quand même, je vous mens pas. Mais au final, je suis fan. Et j'aime trop faire ça. What's up, G-Way? In the club with my team, with my baby. Regardez là avec tous ces sacs, mais qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous? Who are you? This is me. Non, mais elle a pris tout ça. One, two, three. Like. Oh, wow. Bon, je vous fais un mini haul là, du coup, de la marque Skims. Donc, du coup, là, je porte le premier article. Donc, c'est un top simple blanc. Voilà. J'ai pris la taille S. Il est beau. Après, soutien-gorge obligatoire parce qu'il est un peu transparent. Je pense que c'est le fait que ça soit blanc. Voilà, un petit top simple. Tu le mets avec un jogging, un jean et tout. Pour la vie de tous les jours, c'est super sympa. J'aime beaucoup la matière. La matière, franchement. Ça se voit que c'est de la qualité. Franchement, tu vois que c'est de la qualité. Et franchement, j'aime trop. La marque.
Skims, la marque de Kim Kardashian. Ça faisait tellement longtemps que je voulais tester cette marque. Mais vraiment, là, je suis trop contente de collaborer avec eux. Vraiment, c'est pas un honneur, mais presque genre... Mago Kimka, en fait. Kim Kardashian. Donc, voilà. Là, je vais essayer la robe. Parce que c'est vrai que le haut, il est très simple. Voilà. Il est bien. Il tient bien. Il prend bien en forme la peau. Il est super beau. La qualité, elle est super douce. Franchement, rien à dire. Mais c'est vraiment cet article que... Ouais, j'ai envie de voir en fait, voir ça donne quoi et tout. Let's go. Wow. Amazing dress. Kim Kardashian, thank you. Thank you, darling, because this dress is absolutely amazing. Si vous hésitiez à acheter cette robe, enfin acheter chez Skims, n'hésitez plus en fait. Si vous voulez savoir, moi le haut c'était taille S, la robe c'est taille S. Je fais une dernière vidéo parce qu'en fait, je crois que peut-être que vous n'avez pas assez vu. I'm sorry, I just need one minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Armstrong? Hey guys, du coup là on se retrouve. Ouh, je suis trop blanche là à cause de la lumière. Attendez. On va allumer cette lumière là. Ouais. Je suis arrivée, je me suis garée pour l'event Charlotte Tilbury. Voilà, j'ai mis un jean avec un petit haut. Le haut c'est un haut Skims. Mais je vais vous montrer quand je serai sortie. Là, je vais juste faire mes bébières, faire mon contour, mon combo lèvres et partir en fait. Parce que j'étais trop tard, j'avais pas le temps de faire mes bébières. Vraiment, le carré ça me va super bien. I'm so pretty. Thank you.